Coucou tout le monde! Alors, me revoilà, si je puis dire. Ça me manquait un petit peu de filmer et surtout j'avais beaucoup de choses à dire, à montrer, etc. Je me suis absentée réellement en fait. J'ai arrêté de filmer tout début juillet. Là, on est le 25 août. Ça fait depuis le début de la semaine en fait que je filme. Je suis dans ma semaine un peu off. C'est une semaine en plus où il fait super chaud. Donc voilà, je me dis c'est voilà, un mal pour un bien, je rentre, je suis confinée chez moi. Par chance, là aujourd'hui, je ne travaille pas parce que j'avais un rendez-vous ce matin. Donc on est encore voilà, un petit peu dans la fraîcheur, mais cet après-midi, je vais être complètement dans le noir. Mais je reviens sans revenir vraiment. Toute la semaine, j'ai filmé, donc pré-filmé en gros, des vidéos où je montre les choses que j'ai testées. Voilà, parce que depuis début juillet, j'ai quand même testé pas mal de choses entre tout le mois de juillet et une bonne partie du mois d'août. Et j'avais peur qu'effectivement j'ai trop de choses à présenter. Surtout que c'est que des choses que j'ai bien aimées. Donc voilà, il fallait que je vous en parle. J'avais besoin de vous faire des revues sur chaque chose. Donc du coup, voilà, je suis revenue pour filmer plein de choses. Mais je continue un peu dans ma transformation physique, entre guillemets, à vouloir toujours changer physiquement. Et puis voilà, un petit peu m'améliorer sur plein d'autres petits points. J'essaye aussi de changer des choses personnelles, j'essaye de changer professionnellement, on essaye de changer, on est en train de changer de voiture, ça y est, on l'a commandé, on cherche à changer de logement, voilà. Ce qu'on veut, c'est que l'année se termine en beauté et que la nouvelle année commence vraiment sous son meilleur jour. Et donc du coup, voilà, je fais juste une petite pause dans ma pause, où je reprends les vidéos vraiment. Voilà, je vous préfilme plein de vidéos les mêmes jours, en général depuis milieu de semaine dernière, enfin depuis presque une semaine, je filme à peu près 2 vidéos par jour, comme ça au moins je sais que je vais pouvoir échelonner sur tout le mois de septembre et revenir réellement en temps réel, on va dire, à partir de fin septembre, puisque du coup mon abonnement en piscine se termine fin septembre, donc voilà, j'espère que je recommencerai à filmer, on va dire, la dernière semaine de septembre pour que je puisse être au taquet, avoir au moins 1 ou 2 vidéos d'avance à chaque fois en diffusion sur octobre, donc être à peu près dans le timing d'une semaine en décalage. Et là, vous avez presque un mois de décalage pour certaines vidéos. Voilà, donc tout est en cours, hein, je vais très bien. Je vais très bien, ma santé va très bien, mon moral va un peu moins bien. L'été était un petit peu difficile côté solitude, au niveau professionnel, hein, bien évidemment. Sinon, voilà, j'ai profité des beaux jours, j'ai profité de la chienne. Il y a eu des petits soucis avec la chienne, elle a eu un petit bobo à sa patte, mais c'est en cours de guérison. Voilà, en gros, je vous ferai à chaque fois des topos, hein. De toute façon, je ne vais pas vous parler le pourquoi je suis partie en pause, hein, pour perdre des kilos, etc. Donc je vous dis ça, c'est encore en cours, donc je ne vais pas en parler tout de suite. J'en parlerai à la fin du mois de septembre, en réel et en diffusion, hein. C'est pareil, je me consacre effectivement à la dernière semaine de septembre où je vais essayer de décaler au maximum, parce qu'on ne sait jamais. Si je change encore physiquement, ben, du coup, vous verrez peut-être une différence entre une vidéo à une autre. Je vous ferai un topo sur ce que j'ai mangé, je vous ferai un topo sur ce que j'ai bu, sur les compléments alimentaires et sur mes achats, protéines et compléments alimentaires, etc. Tout ça à la fin du mois. Mais là, du coup, ce que j'avais envie de faire, c'était un peu écluser parce que tout le mois d'août, j'ai surtout voilà, testé, tout tient dans cette belle boîte, hein, plein de choses. À chaque fois, j'ai tenu un petit peu plus d'une semaine avec chaque chose. Alors, il y a des produits pour les yeux majoritairement, il y a un produit pour le teint et quelques produits pour les lèvres. Donc voilà, je vous fais des revues à chaque fois parce qu'à chaque fois que je les utilise, je me photographie avec. Et après, du coup, j'aimerais bien faire un petit résumé, une petite revue pour vous en donner un peu mon avis, mon ressenti, etc. Donc en gros, il y a à peu près 6 vidéos revues. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de les étaler, voilà, sur une bonne partie du mois de septembre, puisque du coup, ça va pas trop vous déranger. Parce que je sais que les revues, c'est des choses qui sont pas beaucoup, beaucoup vues. Il y a des curieuses, il y a des intéressés, voilà, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde les revues. Moi, c'est pareil, si une youtubeuse que j'adore fait une revue sur un vernis à ongles Essie, par exemple, je ne vais pas regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux comprendre tout à fait, mais il y a vraiment des choses que je trouve sympathiques, donc j'avais envie vraiment de faire les revues. Mais est-ce que, moi, je pense que c'est le mieux, hein, d'étaler, voilà, de faire, admettons, un jour sur trois ou un jour sur deux. Mais pas tout mettre, on va dire, les 6 vidéos, les 2 premières semaines de septembre, vous bombarder de revues. Je sais que j'aurai pas beaucoup de vues, j'aurai peut-être même des désabonnements. Comme c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, sans forcément aimer les regarder, sauf si c'est des produits qui m'intéressent. Les clairsemés, ça peut être sympathique, mélangé avec des vidéos achats
J'ai 4 vidéos achats ce mois-ci. Enfin, j'ai beaucoup craqué de mi-juillet à mi-août, en fait. J'ai fait des gros achats, pas chers, hein, mais des gros achats quand même. J'ai un volume, on va dire. J'ai acheté beaucoup de produits pour les lèvres, beaucoup de rouge à lèvres sur Amazon, beaucoup de rouge à lèvres sur AliExpress. J'ai acheté beaucoup de choses aussi. Alors j'ai fait une commande sur Biss Maquillage. J'ai également fait une commande sur MyProtein et j'ai été acheter plein de produits compléments alimentaires et autres protéines et compagnie en parapharmacie. Donc ça, voilà, je vais vous, pareil, je vais vous étaler un peu toutes ces vidéos-là. Biss, c'était la fin des soldes, c'était la grande braderie à moins 80%, un truc comme ça. Donc ça, je pense que je vais vous diffuser ça dans les premières vidéos. Après, effectivement, rouge à lèvres Amazon et rouge à lèvres AliExpress, ça peut être aussi clairsemé parmi les autres vidéos de j'ai testé cet été. Voilà. J'ai énormément de produits finis parce que du coup, il me semble que je vous avais pas fait les produits finis du mois de juin. Donc, il va y avoir une bonne partie de juin, juillet et une bonne partie du mois d'août. Et puis, bah, après fin septembre, il y aura les vidéos produits finis du mois de septembre. Mais là, je pense que ce que je vais vous faire, ça va tenir en deux. On verra s'il y a besoin de faire une troisième vidéo, mais je pense que je vais couper en deux avec maquillage et produits visage, et après shampoing, corps, etc. et autres. Je pense que ça peut tenir en deux vidéos, ma grosse boîte est bien remplie. Donc voilà, un peu au niveau du programme retour, des vidéos que j'aurais pré-filmées sur le mois d'août pour vous les diffuser tout le mois de septembre pour repartir donc en septembre sur je m'occupe de moi et puis je reviendrai sereine et libre de tout engagement si je puis dire parce que j'ai payé un abonnement de piscine, c'est pour y aller. Donc voilà, éviter la course, profiter du soir, promener avec Simon, etc. quand il vient, profiter le week-end du beau temps. Quand il pleuvra, je pense que je passerai ma vie à refaire des vidéos, des choses comme ça. On ira s'enfermer, donc je pourrais vous filmer des choses qu'on ira voir et tout, alors que là, on fait surtout des balades le week-end, des balades dans notre quartier, ou alors on fait des visites d'appartements. Donc je ne vais pas vous filmer ces choses-là, hein. C'est pas très intéressant et je ne sais pas si je pourrais diffuser des images d'appartements qui ne sont pas à moi. Donc voilà en gros ce que j'ai prévu de faire sur septembre. J'espère en tout cas que ça vous dérangera pas trop, mais au moins du coup je reviens pour celles à qui j'ai manqué. Je vous ferai éventuellement peut-être un topo effectivement à la fin du mois de septembre ou début octobre sur bah, un peu vous parler de ce que j'ai fait cet été, faire un petit bilan poids, un petit bilan nourriture, un petit bilan de tout, voilà, de ma vie à l'instant T quand je filmerai, parce que j'espère qu'il y aura encore des changements d'ici là, tant physique que professionnel que personnel. Voilà, donc en gros, ce que je peux vous dire. Voilà, donc il y aura les produits finis, beaucoup de j'ai testé cet été, des achats, et puis voilà, peut-être un petit peu ce que j'ai bu et ce que j'ai mangé, voilà, parce que j'ai gardé pas mal de petites choses, mais peut-être aussi plus rapproché à la fin du mois pour être cohérent avec un speech kilo. Donc ce que j'ai bu éventuellement, parce que on picole beaucoup, moi j'ai beaucoup de mal avec l'eau, donc j'ai fait beaucoup d'infusions, de thé glacé, etc. Donc j'ai beaucoup de boîtes vides et je peux vous en donner mon avis, mon ressenti, mes préférences et ce que j'ai moins aimé. Voilà, donc voilà, je reviens parmi vous. C'est reparti mon kiki. Donc je reprends le même rythme qu'avant, parce que c'est ce que j'aimais faire. Petit RER. Une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi, et puis après bah, une vidéo le week-end hein, en fonction de. Voilà, donc ce mois-ci il n'y aura pas de spécificité, mais je pense qu'après je reprendrai effectivement des vidéos, on va dire, plus ciblées dans ma chambre la semaine et plus vlog, blabla, etc. En extérieur pour le week-end. Voilà, en gros. Donc j'espère en tout cas que je vais aussi vous apporter une petite amélioration. Bon, j'ai rien changé au niveau de la qualité, c'est toujours le même appareil. J'ai toujours le même logiciel de montage, j'ai essayé de l'appréhender, mais j'y comprends pas grand-chose. Simon va partir en formation là au cours du dernier trimestre à son travail, un logiciel de montage. Donc il a dit que si ça se vendait, il l'achèterait et au moins il aurait voilà tout un explicatif, il aurait suivi la formation, donc il pourrait me former à mon tour. Et puis donc j'aurai un logiciel voilà, que je pourrais éventuellement appréhender, parce que là c'est Magic je sais pas quoi, mais je ne sais pas l'utiliser, je n'ai pas de cours, et même si j'avais un bouquin, je sais qu'on peut extraire un manuel de ce truc-là, mais c'est pareil, s'il n'y a personne pour m'expliquer, je vais lire, pas faire les bonnes manies, pas aller dans le mauvais sens, c'est pas très, voilà, pas très intelligent. Donc voilà, j'ai commencé à essayer de faire des miniatures, mais je suis vraiment pas douée. J'ai commencé un peu à appréhender sur voilà, les collages, les machins, les musiques, j'en ai trouvé des nouvelles. Donc j'espère en tout cas qu'il va y avoir un petit peu de changement. Mais en tout cas pour moi de septembre, au niveau du contenu des vidéos, ça se rapproche beaucoup de ce que je faisais déjà, puisque c'est ce qui me ressemble. Donc voilà, j'essaye d'améliorer.
Mais on y va mollo mollo. J'espère en tout cas que ça va pas trop vous déranger. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour toutes les revues et les vidéos dont je vous ai parlé. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé vous un très bel été. Pour celles qui sont déjà parties en vacances, revenues, qui reprennent l'école, le travail ou autre. Et puis pour celles qui, comme moi, voilà, au mois de septembre, nous les vacances avec Simon, c'est au mois de septembre. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!